Salut tout le monde, bienvenue à un tutoriel de comment réclamer le airdrop d'Estetis, les tokens Illusion, par XRP Toolkit. Hier, je vous en parlais dans mon live. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer par XRP Toolkit, qui est techniquement la route la plus difficile, mais qui fonctionne pour plein différents portefeuilles. Fait qu'on commence ça, direct là. Donc, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, un tutoriel rapide comme ça, fait à la va-vite, dans le sens que, quand je dis ça, c'est que je ne l'ai pas fait à l'avance. Bien sûr, je me suis préparé à l'avance, hein? Je suis pas cave à temps plein, comme on dit, mais j'ai pris le temps de l'enregistrer en même temps que je le fais, quoi, en d'autres termes. Bon, premièrement, je vais vous dire que j'ai créé un portefeuille XRP spécialement pour le tout. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le soin de bien débrancher ma Ledger Nano. OK? Puis je vais en brancher plus tard. Puis on va faire toutes les étapes ensemble. C'est pas bien, bien compliqué, je vous le dis tout de suite. Faites juste suivre et écouter. Donc, je sors d'ici. On commence par aller voir vite, vite sur le white paper de Estetis Illusion. Donc, en tout et partout, il y aura 1 milliard de Illusion, ELS, OK? 510 millions vont être destinés pour le airdrop. Donc, pour vous dire que vous n'avez pas besoin de vos XRP pour réclamer ce airdrop. Vous avez juste besoin d'une adresse XRP. Le nombre de trust lines qui vont être demandés, de airdrop qui vont être demandés, va définir le nombre que chacun va recevoir. Donc, 510 millions divisé par le nombre de réclamations. C'est simple. Et par la suite, ils vont donner 100 millions en programme d'adoption des partenaires, 200 millions pour le staking NFT et 190 millions pour des futures adoptions. Donc, et si on descend une page plus bas, on voit ici le numéro de smart contract pour les réclamer. Mais je vais vous montrer une autre place qu'on peut aller voir. C'est très pratique à savoir, juste pour tous les autres airdrops, vous pouvez aussi faire la même manip sur Xoom Community pour avoir les bonnes adresses de smart contract. Je trouve que c'est très intéressant de vous le montrer. C'est une flèche de plus à votre arc, en d'autres termes. Donc, on va dans XRP Toolkit. Je vais revenir ici. Je vais juste faire sûr de bien sortir de tout ça. Je vais faire logout. Parfait, c'est ça que je veux. Bon, parfait. Fait que là, on est ici. Donc là, je vais brancher ma Ledger Nano. OK? Comme cela va être faisable aussi par rapport à votre Decent, par rapport à plein d'autres portefeuilles. OK? Donc, je rentre mon mot de passe dans ma Ledger Nano. Comme vous le faites probablement présentement vous-même. Et voilà. Je rentre dans mon application XRP, comme ça. Parfait. Et voilà, c'est fait. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on fait dans le XRP Toolkit? On s'en vient ici dans le coin droit, en haut. Connect Wallet. Et là, vous avez le choix. Ledger Device, Kobo Vault, Decent Wallet, Xoom, puis une adresse précise. OK? Donc, ça marche avec tout ça. Et moi, je vais prendre Ledger Device, puis je vais faire Connect Ledger. Tantôt, il me l'a dit, il y avait un problème. Il avait sorti, ça avait reseté mon Ledger. Fait qu'il ne voyait pas mes comptes. Donc, je prends seulement le compte que je veux et que j'ai précédemment transféré 20.10 XRP dessus pour être sûr de 1. D'ouvrir mon compte parce qu'il faut quand même déposer pour que votre compte soit officiellement ouvert. Et j'ai rajouté un petit peu plus pour m'assurer de pouvoir payer pour ma transaction. Donc, j'ai 20.10 XRP. Donc, je fais confirm. Je fais confirm comme ça. Et là, je me ramasse sur... Vous voyez ici, il m'a dit il a rajouté mon compte. Et là, je suis présentement dessus mon wallet de Ledger Nano avec 20.10 XRP dessus. Par la suite, c'est super simple. OK? On va aller dans Asset ici.
Si jamais vous êtes chanceux, vous pouvez rajouter par ici. Mais si on cherche E, L, S, il sort à rien. Donc, on va venir dans Custom Edit. Maintenant, on va aller chercher notre adresse de Smart Contract pour les Elation. On s'en vient dans Xoom Community. Xoom Community, vous allez avoir le lien aussi dans la description. Vous faites List of All Tokens on the XRP Ledger Mainnet et vous allez pouvoir par la suite ici, juste ici, rentrer votre token que vous recherchez. Dans le cas qu'on parle en ce moment, c'est ELS. Et voilà, on a ici l'adresse des ELS. Il y a présentement 24 169 personnes qui ont réclamé. Okay? Donc, l'adresse du smart contract, elle est ici. On la prend, on la copie. On peut même aller vérifier avec le white paper. Ça finit par AG, ça commence par RHX. Ça finit par AG et ça commence par RHX. Donc, on confirme. On est en train de confirmer qu'on prend bel et bien le bon airdrop. Je m'en viens ici. Je rentre le issuing account, le smart contract qu'on nous demande ici. Je la rentre. Et le currency code. Mais faites attention, dans une vidéo, j'ai vu qu'il y avait écrit USD. Non, ce n'est pas le fiat currency code. C'est les trois lettres qui vont représenter votre token. Ici, les trois lettres, c'est ELS. OK? Après ça, si on retourne ici, le montant du nombre maximal de la valeur de ce token, il est ici. On va le prendre, on va le copier. Puis si je ne me trompe pas, ça fait juste rajouter un 0. Et voilà. On peut faire show more. Set no ripple. Flags, non, ça n'a pas ça que j'ai vu dans les tutoriels que j'ai vu, mais on a terminé. En le fond, là, on fait next. Je m'en reviens sur ma clé. Transaction type set trust line, que ma clé me dit. Je m'en vais à côté. Account 1 sur 3. C'est mon account d'XRP qui est en train de me montrer. Flag set no ripple. Limit amount. ELS avec le nombre de chiffres qu'il faut. Le contrat qui me le donne. Donc RHX, c'est bel et bien ça. Puis ça finit par AG. Je confirme. Ça va me coûter 0. Bon, on le voit ici. Ça me coûte 0.00012 XRP en frais. Et je signe la transaction. Techniquement, si je ferme ça ici, je crois qu'on le voit. Ouais, transaction succède. Donc, si je reviens dans mon compte, on voit ici, il vient d'apparaître ici, la balance est à zéro, ma limite, le statut actif. Si je reviens dans mon compte, overview, on vient voir ici et il s'est bel et bien rajouté. Donc, c'est ça. C'est aussi simple que ça, le airdrop de STTs. Hein? Des fois, ça en a besoin de confirmer. Là, je l'ai fait avec vous. Ça prend 5 minutes. 5 minutes. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Bon airdrop. D'après ce qu'on a compris hier dans le live, c'est safe. Il n'y a pas personne qui va passer avec vos XRP. J'ai même pas pris de chance. Je me suis créé un autre compte XRP juste pour être sûr de bien traquer le tout et de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Moi, c'est ma sécurité personnelle que je rajoute. Mais techniquement, elle ne sert à rien. Confirmé par WitsyWin, un Trustline, c'est un Trustline. C'est tout. Fait que c'est tout. Fait que c'est là-dessus, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez aimé. Hey! Une vidéo qui va faire en ce moment même 10 minutes flush. Fait que je vais partir sur mon outro, puis à une prochaine. Donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, à aimer, à tout faire ce que vous voulez, mais donnez-moi de la visibilité, c'est tout, yes! Puis comme d'habitude, aimez-vous pour mieux aimer les autres, pour être mieux aimé. Un sourire dans une journée peut changer la vie de plein de gens. Et vous allez vous en faire lancer par la suite. C'est pour ça que le masque est pas pratique.
Et là-dessus, je vous laisse. Je vous aime. Ciao!